un lien entre la fin du règne de Louis XVI, la Révolution et Napoléon. Donc Napoléon s'est contenté, entre guillemets, d'accompagner l'évolution de la société, et lui a mis toute la discipline et l'énergie dont il était capable pour réaliser concrètement ce que la Révolution avait imaginé. Aujourd'hui, plus de 40% des lois du Code civil sont inchangées depuis le Premier Empire, ce qui quand même en dit long sur notre culture. Donc, c'est-à-dire que qu'on aime ou pas Napoléon, qu'on aime ou pas ses lois d'ailleurs, on ne peut pas nier le fait qu'elles ont régi bien plus que notre mode de vie. Elles ont régi notre éducation. Le fait que vous pensiez être propriétaire de quelque chose, le fait que quand vous disiez « je t'aime », ça a des conséquences, quand vous vouliez quelque chose, ça a des conséquences, tout ça, c'est Napoléon.